Caroline Receveur est tombée dans une mini-déprime. Lors de ses premières semaines de grossesse, Caroline Receveur entame son quatrième mois de grossesse après avoir annoncé l'heureuse nouvelle à ses fans le 2 février. La blogueuse vient de révéler que ses premières semaines de grossesse n'avaient pas du tout été évidentes à gérer. Caroline Receveur a appris une heureuse nouvelle il y a 3 mois. La jolie blonde de 30 ans va devenir maman pour la première fois au début de l'été. Elle a partagé son bonheur le 2 février dernier en postant sur son compte Instagram une photo de son ventre arrondi en compagnie de son amoureux, Hugo Philippe, à qui elle a rendu un vibrant hommage pour son soutien. Sur son blog, Caroline Receveur a mis en ligne ce mardi 6 février un long billet pour raconter son éprouve en premier trimestre de grossesse. Alors qu'elle en est désormais à sa 16e semaine de grossesse, l'ancienne présentatrice du Mad Mag raconte « J'ai appris ma grossesse dans les 2 semaines où je suis tombée enceinte, les effets secondaires ont été immédiats chez moi, envie d'uriner en permanence, rêve perturbant au point de me réveiller en pleurs la nuit, crampes dans le bas du ventre, aft persistant, très bizarre je sais. Malgré tout j'avais une pêche d'enfer, une folle envie de faire du sport, de manger sainement et surtout j'étais sur un petit nuage. J'allais enfin devenir maman, Caroline Receveur en a profité pour mettre les choses au clair et a assuré qu'elle n'est pas tombée enceinte par accident, son lit et son canapé sont devenus ses « meilleurs amis », tous ces mots l'ont contrainte à mettre sa vie, entre parenthèses. Un véritable cauchemar pour une hyperactive comme elle, cet état léthargique m'a profondément affectée et plongée dans une mini-déprime, pour une fois, son lit et son canapé sont devenus ses meilleurs amis. Par exemple, ces nausées se manifestent curieusement en soirée, après 18h30. Dans ces moments difficiles, Caroline Receveur peut toujours compter sur le soutien indéfectible de sa moitié Hugo Philippe. Ma petite déprime s'est atténuée heureusement grâce à la présence et au dévouement de mon homme, que je ne remercierai jamais assez. Durant ces 2 mois de calvaire, cette période délicate a permis à Caroline Receveur de relativiser et elle se permet dorénavant de « lâcher prise » comme l'envie de dévorer des hamburgers d'un célèbre fast-food.